De nos jours, on veut tellement prendre d'avance qu'on se condamne tous à être en retard. Je n'étais pas au courant. Même en restant attentif, on passe à côté de tout. Oh, un badge! Durant les derniers Jeux olympiques d'été, je me préparais à regarder tranquillement à la télévision la finale du 100 mètres, messieurs. J'aime le sport. Quand ma femme m'appelle depuis la cuisine, je réponds « Oui, oui, bien cuit !» Je me retourne. La course était déjà finie. Impossible de comprendre ce qu'on a reproché à ce monsieur Johnson. Je ne l'ai pas vu courant. La performance a parfois un parfum perfide. Parfait. Alors, je dis, il est urgent de réagir. Halte à la course! Halte à la fuite en avant! Double débrayage, repos! Il faut absolument se dépêcher de freiner cette frénésie. Il ne faut pas traîner, sinon on sera bouffé par le train. Alors en s'y mettant immédiatement et sans tarder, on peut encore maintenant tout de suite, hein, sans plus attendre, créer un fulgurant contre courant qui nous redonne le temps de prendre. Alors j'en appelle à tous les escargots, les loins, les marmottes et les tortues, et je crie fils à fils, dépêchons-nous, manions-nous. C'est vrai quoi, il faut ralentir les minutes, on va pas passer notre temps à se grouiller, on n'a pas que ça à faire. Excusez-moi, la retransmission du match a lieu à quelle heure? Merci. Je vais attendre dans mon lit. J'aime le sport.